Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, la moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et au travers de ce chant, j'aimerais t'inviter là où tu es à prier pour les vocations, à prier pour les prêtres, pour les religieux, les religieuses, à prier pour que le Seigneur envoie de saintes vocations au sein de son Église. Vous savez, il y a beaucoup de communautés religieuses, beaucoup de monastères qui sont obligés de fermer, que ce soit en Europe ou partout ailleurs dans le monde, par manque de vocation. Seigneur, ce matin, au travers de ce cantique, nous crions à toi comme un seul homme pour te demander, Seigneur, d'envoyer des ouvriers à ta moisson. Nous te prions de nous choisir nous-mêmes, Seigneur, toi qui as fait de nous par notre baptême des prêtres, des prophètes et des rois. Où est-nous, Seigneur? Où est ton Église? Où est tes serviteurs, Seigneur? Pour que, Seigneur, nous puissions tous travailler à ta moisson, afin que des âmes te soient gagnées, que des vies reviennent à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en ce jour, que pleuvent des témoignages de conversion, que pleuvent des témoignages de changement de vie, Seigneur notre Dieu. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Salut Marie, pour les vocations dans l'Église. Si tu as la possibilité, appelle un religieux, une religieuse pour prendre de ses nouvelles. Fais une offrande, offre quelque chose à un homme de Dieu et tu verras la gloire que le Seigneur va déposer dans ta vie, la grâce qu'il fera pleuvoir dans ta vie à cause de cet acte que tu vas poser pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, demeure béni et que la faveur de Dieu soit sur toi durant toute cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.